Et salut à tous, c'est Quickie et on se retrouve aujourd'hui pour le 6, je crois, le 6e épisode de Terre du Futur, donc la série du zoo quoi. Oui, j'ai un peu avancé, j'ai formé un peu la cadastrique vite fait. Et aussi, j'ai juste fait ça en fait. J'ai ramené aussi ma quarry, qui était des minerais d'Aquarée, mais j'ai pas pu tout transporter bien sûr. Donc, j'ai continué, mais je trouve que ça part un peu trop. On voit plus rien. Donc, j'ai pensé qu'on pourrait faire un truc. Genre, prendre des glaces. Et, genre, comme les vitrées. Enfin, les vitrines, je sais pas qu'on voit les animaux. Il y a genre des petites vitrines comme ça. Mais, où est-ce que je peux mettre ça? Ici. Partez pas les animaux, hein. Genre, il faut que j'arrête d'utiliser ça. Oh, 55, faut vraiment que j'arrête. Je pose d'un côté. Non, c'est pas ça. Je pose là et je m'en sers plus. Ouais, aussi, du coup, je vous montrerai comment je fais pour faire un truc en obsidienne et tout. C'est pas très compliqué. Faut que juste que je me rappelle parce que ça fait un peu quelques temps. Hop. En bas aussi, du coup. Ah merde, du coup j'ai pu. Voilà. On va prendre ça. Alors, ancienne, hein, écoutez. Genre comme ça. Et si on passe ça au-dessus? S. 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 On faudra un peu plus d'or comme ça. Ah, oh, je sais pas du tout comment faire. C'est vrai que je suis un peu perdu là. Je sais pas comment faire. Ou alors si j'avance le truc, par exemple j'ai utilisé de la vitre pour rien. Genre plus comme ça. Par contre je vais pas gaspiller, c'est très précieux. J'ai dit c'est très précieux. Écoutez, les moyens du bord. J'ai dit les moyens du bord et ça marche. De toute façon on casse ça. Écoutez. On casse jusque là au pire. Et genre comme ça fait un petit arc. Ouais, allez. Soyons fous. Hop. On va juste être entouré de trucs au-dessus. Je sais pas ce qu'on pourrait mettre. Ça existe des dalles de sucre. Ah, ou des dalles de quartz, je suis conne. Ou alors en pierre pour rappeler la pierre parce qu'il n'y a pas beaucoup. Au final, il y a trop de blanc. Ouais, peut-être. Bon, je verrai ça, mais ça m'a l'air pas mal de faire ça. Et alors, dans ce cas-là. Qu'on mette genre des petites dalles. Mes petites dalles. On va en refaire, hein, je trouve plus. J'ai rajouté des coffres, ça m'énervait, ça débordait de partout. Oui, tu vas bientôt avoir ton nom enclos, toi, t'inquiète pas. Alors. Des dalles. D'ailleurs, il faudra leur trouver un nom, ils sont deux, hein, parce qu'il y en a un qui est en safari net. On va trouver des noms aussi. Désolée si j'ai pas vu les noms de l'épisode précédent, j'ai tourné à la suite. Ouais. On va retrouver des petits noms. Comme ça. Et genre un panneau. Un panneau genre. Ours, je sais pas quelle race c'est ça. Et panda de je sais pas quelle. Ah, ça insulte dans le chat, c'est pas bien. Hein. Faut pas lire ça, les enfants. Alors, je cherche quoi? Je cherche du bois pour faire un vecteur stick. Des sticks, il y en a là. Ouais. Faire genre un petit panneau. Genre, attention, ours. Ah ouais, ça en fait 3. Il me semble qu'on peut pas poser sur la vitre. Ah si, on peut. On va pas le mettre là dans ce cas-là.
Genre ici. Hop, je mets un truc à la con, hein, je change son nom. Ours. Pan. Tirer, tirer, tirer. Tirer, tirer, tirer. On va rajouter des tirés. Non, non, non. Ça, c'est moche. Hop. Ah, j'ai plus quoi là. Voilà, c'est magnifiquement moche. On verra ce qu'on ce qu'on fait du mieux après parce que. Ouais, ça peut être principe. Le principe, c'est ça. Dans un zoo, il y a toujours un truc genre une baie vitrée. Là, on peut voir, on peut observer les ours et les pandas. J'en mettrai plus par la suite. Hein. Et je rajouterai les noms s'il faut, sur s'il y a d'autres animaux. Là, les petits renards. Il y en a toujours deux là. On voit un sur les deux. Il est où l'autre? Ah, c'est bon. Ils sont trop mignons, donc j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Yo, là, il faut vraiment que j'éclaire avant qu'il y ait des monstres qui spawnent. Hop. Du coup, ce qu'on va faire, ce que je voulais faire, c'était faire l'enclos de nouveau des petits là, des petits tigres. Le problème, c'est que c'est la nuit, donc ça va m'énerver. Ce qu'on peut faire, c'est déjà faire les barrières. Alors, si j'en ai déjà, c'est bon, c'est pas mal. Ça, on peut continuer là. Hop. Je sais pas comment on fera l'accès. On fera là-bas l'accès. L'accès, comment dire, l'accès pour les salariés. On va dire ça comme ça. Alors. Comment peut-on faire de... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le problème de la grotte là. De toute façon, j'y vais plus de ce que je vais faire. C'est que. Hop. Hop, on va couper l'accès. Un bloc de terre de plus, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est pas ma super. Super pioche. Donc, on va faire. Donc là, ça augmente. Bon, il y aura le truc blanc, donc normalement, ils pourront pas partir. Hop, comme ça. C'est un peu grand là. Bon, on va partir comme ça. Bon, toi, viens ici. Si tu veux exploser déjà, ce sera plus ici, s'il te plaît. Hop! Ah, il meurt. Alors. Alors. Ah oui, ce que je voulais faire, ce que je vais faire tout de suite, puisqu'on va profiter que c'est la nuit pour pas se faire embêter là-bas, c'est de vous montrer comment on fait. Bon, on va faire juste un tout petit peu de technique, hein, mais c'est juste pour montrer comment on fait la pixel truc, comment on fait les logos de. Les logos. Bien sûr, les logos, les lingots d'Opsy. Donc, il me semble. Il faut du diams. Ah, mais il me restait un. Un seul? Ah mais j'en ai assez du coup. Ah bah, je vous montrerai pas cet épisode-là, peut-être un autre. Du coup, alors, pour faire la super pioche de la mort qui tue, on fait une pioche, une hache et une pelle. Et après, c'est l'ordre comme ça, il me semble. Et des petits bâtons. Voilà. Et on a une super obsidiane paxel. De la mort qui tue. Ah oui, du coup, les bibliothèques, il faut que je les remette. Ah, mais je pense que les livres. Où sont les livres? Voilà. Vraiment que je pense à. À faire quelque chose quand même. Hein. Quoi? Pourquoi il ne reste plus que 5 books? Ah, je sais où ils sont. Je sais où ils sont. Faut que ma maison, en fait, elle sera sûrement ici. Je l'avais déjà dit, je pense, mais il faut vraiment que je la fasse la maison.
Moi, je vais enfin ordonner. Parce que là, c'est un peu trop le bazar des coffres, tout ça. Juste du bois. Du bois, j'ai dit. Voilà. Allez, juste demander. Hop. Des petites planches. Mes books. Hop. 10, il en faut 15. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, voilà. Le reste sera pour enchante des petits livres. Alors, hop, on va mettre ça là. Faire ça comme ça. 1, 2, je suis conne, je suis conne, je suis conne. Je sais pas si ça marche du coup. On verra bien à la fin. Je suis vraiment conne, hein. Je suis réellement conne. Hop. Par contre, ça, il n'y a que moi qui ai le droit de le dire que je suis conne, ok? Alors, moi, c'est pas 30 là, ouais. Il manque. On va casser celle-là, du coup, on doit faire les deux d'un coup. Hop. Je vais prendre. Il m'a fallu deux bibliothèques de plus, c'est ça. Ah non. Hop. 1, 2. Voilà. Alors, hop. On prend ça et on va les positionner. Là et voilà, c'est magnifique. Normalement, alors est-ce qu'on aura de la chance? Ta-ta-ta. Ok, bon, c'est pas mal, c'est pas mal, mais j'aurais préféré avoir de la breaking quand même. Hein. Je suis un peu déçue sur ça. Skill touch, est-ce que c'est bien? Franchement, je réfléchis à quoi je l'utilise. Sculpte, ça peut être bien, à moins que. J'aimerais bien lui mettre un peu de breaking quand même. Hein. Je vais des lits vite fait là, niveau 1. Je peux pas de niveau 1, s'il vous plaît. Hop. Niveau 1. Torche. Mon livre. J'ai dit 1, voilà, c'est de la merde. Ah là là. 1, voilà. Protection. Efficiency. Bon, on n'a pas eu de super livre, je voulais moi, je voulais de l'unbreaking, hein, mais tant pis, c'est pas grave. Pour toujours se faire des protecs en plus sur nos armures. Donc du coup. Du coup, on était en train. Il y a un magnifique creeper là-bas. Faudrait que je me fasse un arc aussi, une fois. On était en train de continuer l'enclos. On va continuer, hein. Tranquillement. Par contre, toi, tu vas faire chier. Voilà. Une bonne armure quand même, hein. C'est une bonne armure. Ici. Ouais, on va couper ici. Bon, j'aime pas, c'est trop droit. Hop. On va aller hop comme ça. Hop. Et on va se mettre aussi sur la montagne. Hein.
Bon, là, ils peuvent pas monter. Ah merde, là, ils peuvent monter dans l'autre enclos. Hop. Hop. Là, ils peuvent encore. Comment on va faire comme ça? Ouais, ils peuvent plus là. Au pire, ils passeront juste dans l'autre enclos. Ils vont pas s'attaquer, je pense, hein. Ils sont pas cons à ce point. Donc là, il y aura les barrières, donc ils pourront pas faire ça comme je viens de faire. Du coup, ça, on va le. Oh, mais ils ont un énorme enclos en fait. Qu'est-ce qu'il fait ici encore? J'aime pas quand il vient. Ça me stresse. Ah, du coup. Non, mais quel chieur! Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, mais quel chieur! Bon, du coup, après avoir réparé les bêtises du poney là, hein, qui vient vers son chieur, comme d'habitude, il change pas. Donc, on était en train de faire l'enclos des petits tigres, on va dire. On peut appeler ça des tigres. Appelez ça comme vous voulez, moi je sais pas comment les appeler. Du coup, on disait qu'il fallait, oui, il fallait que je ramène de la stone, que pour faire une grotte un peu mieux. Donc, la stone, la stone, la stone. Aussi, si j'ai une voix bizarre, je suis désolée, je suis un peu enrhumée. Enfin, comment dire, à la voix cassée. J'en ai pas beaucoup. C'est très peu ça. Je pensais que j'en avais ramené de la cobble. Pas du tout en fait. Hop. Non, j'en ai pas ramené. Moi que celle-là. Pas du tout. Bah merde. J'ai encore perdu des trucs, moi j'en veux plus. Je porte toujours mes affaires. Du coup ça, hop. J'ai plein de merde sur moi, du coup avec tout ça. Ah, même du coup, ouais, je commençais la stone, hein. Je vais prendre un peu de gravel. Du gravel. J'en ai un peu. Mais si c'est là, je suis conne. Hop. Patate. Hop. On a un petit peu plus de gravel pour faire un peu genre différence. Même si ça se voit pas trop en fait. Mais bon, on va dire que ça se voit, hein. On est gentil. Vous pouvez me soutenir quand je dis que ça se voit. On va juste faire une sorte de grotte, hein, parce que c'est la tête. J'ai pas assez. Super. Ah merde, non, 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 je vais pas faire ça, merde. Oh là là. Bon, je vais faire ça du coup. Ah. Mais au pire, c'est pas grave si en dessous. De toute façon, ils peuvent pas passer en dessous, on est d'accord. Et genre, c'est la même grotte, mais qu'ils peuvent pas y accéder. Oh, coucou, je te dis bonjour pote. Mais je peux pas venir te voir. Ça peut être bien comme ça. Vraiment, vous avez pas le son jugé parce que la pluie là. Voilà. On va enlever un peu. Alors. Quoi mettre ça? Ah, je clique sur n'importe quoi. Hop. Hop, hop, hop. Hop, voilà. On mettra pareil un tapis et une glowstone. Hein. Aussi, du coup, le temps, je pense qu'on est encore large. Je sais pas si on est large en fait. Il reste quelques minutes quand même. Donc là, je pense que je vais faire encore un saut d'arbre. Je pense que je vais faire genre des. Est-ce que des tigres n'ont ce grimpe aux arbres? Je dis n'importe quoi. Bon, je vois ce que je fais. Mettre un peu d'eau là, peut-être. Là. Effectivement, il y a la grotte en dessous, j'avais oublié. M'écouter.
On va faire un petit peu pour l'instant. Comme ça, j'ai de la tarte. J'en ai pas mal, donc on peut faire un peu plus grand. On peut faire aller jusque-là, hein, écoutez. Genre comme ça, ouais. Et ici, au milieu, enfin un peu plus profond, comme d'habitude. Hop. Voilà. Non, pas voilà. Pas voilà. Là, voilà. Voilà. Ah, je suis conne. Délicieuse, je suis conne. J'ai oublié de mettre l'eau avant de mettre la tarte. On va chercher de l'eau. Hop. Oh, j'ai deux seaux d'eau parce qu'à chaque fois, c'est chiant pour faire les allers-retours. J'adore faire des allers-retours, franchement. J'ai mis où déjà? Ouais, j'ai mis là. Hop. Je crée des courants en plus. C'est pas plus mal parce qu'il est censé avoir un courant dans cette rivière. Normalement, là, je peux récupérer ça. Voilà. Bon, ok. Je veux bien si c'est un diams parce que ça me dérange pas un seul, mais bon, j'avais peur qu'ils prennent tout comme des petits arnaqueurs. Alors, ça va pas, ça je mets comme ça. J'avais fait comme ça. Vous savez comme ça. C'est bien comme ça. Écoutez, ça suffira. Hein. Combo. Ils seront bien là. Un peu de verdure. Voilà. Juste limite. C'est fort plat en fait, ça me stresse. Ouais, j'avancerai la grotte là, ça fera un peu moins plat. Et je mettrai un arbre genre là. Ouais, on fera ça. Est-ce que je les mets juste avant la fin, comme chaque fois? À chaque. Non, je l'épisode avant, on a mis personne en plus, donc il faut que je le mette avant la fin quand même. Donc là, si j'ai bien compris, ils peuvent s'enfuir. Comme ça. Donc là. Merde, c'est pas ça que je veux mettre. Qu'est-ce que je fais? Comme ça. Les zombies vont bien chercher à pouvoir rentrer là. Donc voilà. Non, ils peuvent pas sortir là. Là, ils peuvent. Bon, pour l'instant, ce sera des barrières blanches après, mais je vais mettre ça. Ah. Pour l'instant. Là aussi. Et c'est bon, je crois. Je crois bien. Donc, je vais les amener. Hein. Donc, maintenant que je vais leur tirer à la laisse. Alors. Petit. Alors, on prend la magnifique laisse. Où est-ce que je l'ai posée encore une fois? Là, je dirais. Pas du tout. Voilà. Bon, lui, à la base, il m'en voulait. Il me suivait pas et du coup, il m'en voulait. Bien. Ah, coucou. Allez, viens le petit. Voilà, en plus j'adore ses yeux. Ils sont trop magnifiques. Renomme le pendu. N'importe quoi.
Merde, je sais pas écrire. Hop. Et on va mettre l'autre. Le petit dernier. Il est dans une safarinette. Ça, Big Cat. Les Big Cats. Hop. Et tu es vivant. Voilà. Normalement, ils pourront pas sauter au-dessus. Oui, serre-toi. Ah merde, je sais pas écrire. Tant pis. Je sais vraiment pas écrire. Hop. Par contre, j'ai peur qu'il s'enfuit. Non, je pense que ça va être bon. Donc, on va se mettre dans l'enclos comme d'habitude et on va se dire au revoir. Là, ça me stresse. On continuera l'enclos des zèbres et des gros tigres, on va dire ça, des tigres noirs. Ah, je peux passer, voilà, comme ça. Du coup, par contre, ils vont me stresser à rester à côté. Je vais vous dire au revoir. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude et à dire ce que vous pensez. Ah, oh, qu'est-ce qu'il a foutu encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là. T'es vraiment... T'es pas doué. Bien l'ours. Allez, respecte-moi l'ours. Là, comme ça. Son truc qui marche pas. Attends, on veut un truc plus simple. Viens ici. Voilà. Hop. Non. Voilà. Je réparais ces conneries à lui, hein. Hop. Voilà. Donc du coup, je vous disais merci d'avoir regardé. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à... Oh, il m'en prend un truc. Attention, je sens que ça va être la merde. Oh, c'est trop gentil. Trop gentil. Voilà. À la fois prochaine et abonnez-vous si c'est pas fait et commentez pour dire ce que vous pensez et ce que vous voulez que je fasse parce que vous pouvez toujours donner vos avis hein, même si je les suivrai pas forcément. Quel chieur. Oui. Aïe. À la fois prochaine. Bye.